Yo la fago, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on avec équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police. Soyons un plaisir pour nous pour une autre vidéo. Jodi a nous pas visiter Zafèr Fòm dans police nationale là ici en Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes là veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros merci ma avec ça toujours qui ton commentaire pour nous positive ou bien négative. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et bien nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. En noue, projet bien-aimé c'est mis listé bon bagay. Coordination nationale avec femme dans police nationale là, dans tête collée avec direction générale PNH là, organisé une journée réflexion vendredi 6 mars 2021 pour femmes policiers yo. Activité ça entre dans cadre célébration journée internationale pour respecter droit femme. Dimanche 8 mars, cap vini là. C'est information ça nous pote pour nous pas perdre du temps. N'a pas commencé coulier. Sur ça, réaliser nos objectifs pour permettre aux femmes policières discuter entre eux, soit puis femmes mieux potées pour renforcer l'institution policière. Mesdames, yon dans PNH là, plaider pour respect, égalité genre. Commissaire principal Marie-Jeannette Bateau Salomon, ouais, faut que plus femmes dans commandement institution. Comment la coordination des affaires féminines dont je suis la responsable peut-elle apporter son appui au renforcement des capacités des femmes pour plus d'efficacité dans le travail de police et les prises de décision. Dans ce thème ça nous tape débat parce que nous-mêmes il y a une structure en PNH qui c'est coordination nationale des affaires féminines, ça veut dire nous là nous avons plus de support nous capables de porter à l'institution. Parce que nous vivons dans une société qui mixte. Ça veut dire que nous avons besoin de filles et de garçons ensemble. Donc nous-mêmes, comme étant donné que nous vivons dans une société discriminatoire, où il y a une valeur mesdames, donc nous-mêmes, nous voulons porter un grand changement dans l'institution. Nous pensons avec support nous, et nous capables de renforcer, nous capables de développer l'institution. C'est une initiative ça. Non seulement nous habitons à rencontrer ensemble parce que nous avons un réseau dans PNH. Nous avons réseau féminin, nous avons coordination, nous avons pris l'autre bagage qui traite des dossiers, mesdames, dans l'institution. Pour nous capables de voir comment nous sommes capables de faire un avancement, non seulement pour être capables et notre grade de décision, même déjà avec monsieur Yon, et en plus, pour nous capables de voir comment nous sommes capables de marcher dans chaque échelon qui gagne dans cette institution policière. Coordonnatrice nationale des affaires femmes dans la police nationale là, souhaitait plus de femmes intégrer l'institution ça. Commissaire Marie-Jeannette Bateau expliquer yo pap suspend réaliser séance sensibilisation dans l'école yo ak l'autre milliers dans société pour intéresser femmes rentrer dans police nationale là. Plan de développement qui c'est un plan qui date pour 5 ans, c'est un plan qui est allié. Cela veut dire c'est un plan qui l'a de 2017 à 2021. Donc en dans plan ça, nous avons parti qui parlait de question de genre là côté que pour année nous devons arriver à 12% de femmes au minimum. Mais la coordination nationale avec réseau féminin PNH, non, que c'est la majorité là dans ces femmes qui occupent l'espace. Donc nous faisons des séances de sensibilisation. Côté nous aller dans les écoles, nous parler avec la population, nous sensibiliser mesdames pour être capables de l'institution. Parce que nous avons toujours besoin, nous toujours besoin de participation mesdames dans l'institution. Parce que imaginez que nous patrouille qui est dans la rue. Il y a des filles dans la rue, il y a des garçons dans la rue. Ou pas qu'après un garçon qui parle pour parler sur vous, il y a une fille qui est dans la rue, ça veut dire qu'on a besoin autant de femmes que possible pour intégrer l'institution policière. Et bien, dans le contexte ça, bien que la Constitution parle de 30% de femmes, nous-mêmes, chaque année, nous avons un pourcentage. Si nous avons plus que ça, plan de développement qui prévoit, nous avons plus. Mais d'ailleurs, cas contraire, nous-mêmes, nous gagnons pour année pour année 2018, pour nous arriver à 12% de femmes, ça qui est en fait déjà. Inspectrice générale Marie-Louise Routier, salue progression femme dans la police nationale. Là. L'invite mesdames à continuer à intégrer l'institution. 100 1503.
c'est quantité de femmes qui fait partie de la police nationale là. Pour nous, on respecte toujours les hommes. Peut-être que nous devons passer à des hommes. C'est victoire féminine. C'est une victoire féminine, le président de toutes les dames. Et c'est toujours là pour faire solidarité pour nous, les hommes. Ok? Nous permettons, là, depuis 2007, de faire la coordination nationale des acteurs féminines dans la police là. Nous mettons son regard en arrière, mais qui ça nous fait? Et que nous sortons. Parce que dans le temps, même le promotion, c'était 27 millions de dollars pour la promotion. Qui m'a c'est ça, nous dernière promotion, c'est 56, 88, etc. Donc nous avons fait un pas en avant. Tout ça nous construit là. Ok? Nous construit là. Nous formons un réseau de femmes policières. Pour nous veiller sur l'autre chose. Pour nous exister tout l'autre petit qui a voulu. Tout l'autre petit qui l'a, c'est même qui a voulu la relève là. C'est la victoire féminine. C'est le cas de lutte de la femme en général là, au niveau de l'institution, agent 2, agent 1, la faire route pour nous. Ok? Pour nous, ça peut nous passer, je ne pas passer, la faire route pour nous. 1503, c'est quantité de femmes qui fait partie de la police nationale là. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.